Eh bien bonjour, c'est reparti pour une petite game. Petite victoire du guerrier, on en a déjà fait une ce matin. Pareil, avec un petit deck, pas de l'extrême, mais un petit deck de à l'arrache. En remote contrôle sur tablette, c'est-à-dire que je prends à distance le contrôle de mon PC. À distance, petite distance, hein. Et je joue sur tablette. Alors c'est jouable, puisque le jeu n'est pas encore sorti sur Android, il est sorti sur iPad. On va quand même pas acheter un iPad. Allez, c'est parti. Donc on va se faire une petite partie avec un deck guerrier. Je dirais pas bas de gamme puisqu'il y a quand même quelques légendaires, mais on va voir. C'est que la deuxième. Ça s'est bien passé tout à l'heure. C'est un mi, je dirais mi contrôle. Enfin, j'en sais rien. C'est mi contrôle, mi serviteur. Enfin, ce qui m'a fait gagner, c'était quand même. J'ai oublié son nom. Pas l'habitude. Gamoche contre Rexar. Que la traque commence. La victoire. C'était pas lui. C'est celui qui invoque un. À chaque fois qu'on pose une carte, qu'on joue une carte, celui qui invoque un jeton 2-1. Ça non. Ça oui. Ça non. Donc on n'a pas de petite créature dans ce deck. Ou serviteur, à part la Bien fameuse le d'armure. bonjour. Quand même bien. Frappe héroïque. Bonjour. Ah. Du blocage, après bon, on va jouer ça. Une armure faite sur mesure. Encore faut-il avoir des alliés qui morflent. Petit secret. Bonne dégâts. Maîtrise du blocage, c'est peut-être le moment. On n'a rien d'autre à jouer. On pioche. Ça, c'est la fabricante d'armes. Fabricante. Ah oui, musclée, fabricante. Inflige et lui confère 2 d'attaque. À l'attaque. Oh. Est-ce bien nécessaire? Pour jouer 2, c'était une flèche, non? Ah non, notre secret. Le chasseur a de ses petits secrets. Essayez ça. Un secret en moins. Pas mal. Pas mal. Ça c'est embêtant. Pas de dégâts. Faire de l'attaque. Et là, on pourrait taper. Et on va prendre cher. Alors qu'on a ça, on pourrait le faire avec ça. Je sais pas.
Voilà, on se met de l'armure et puis on fait le dos rond. Ah, fiche 4 points de dégâts. Allez. Évidemment que ça coopère. Le chasseur provocation hein. Enchaînement de points de dégâts à deux serviteurs adverses aléatoires. Ça c'est 2 2 pour 4. Si on se met de l'armure, on tape dedans. Points, c'est ça me plaît pas trop. Il reste 2, il n'y a rien à faire. Avec ça, la faucheuse en arcanite. Point de dégâts donne 4, là on pourra faire un plus 4 gratos. Un serviteur. Bien le bonjour. Insensible. Là, il va falloir là, on a les bonus d'attaque. Il va falloir faire enchaînement. Il restera un point de vie. Alors il y a un point de vie ici. Là, on met notre arme. Donc ça fait piocher. Il faut mieux s'en débarrasser. Bouclier.
fait 5, il va être 16, 2. Bien le bonjour. Je dois faire un choix. Lockstar, regarde. Essayez ça. Moi, je pourrais le trade s'il reste en vie. Ça y est, un arc. Votre héros est insensible quand il attaque. Un serviteur blessé. Là, on n'est pas bien. On n'est pas bien. Jouer ça, c'est pas top. Je peux faire ça. Oh, y a pas le choix. Retournez au travail. En gros, je pourrais le blesser. Mais comme il attaque pas, c'est pas la peine de le faire tout de suite. Et nous on va taper. Faire de l'armure, fin du tour. -17-3 donc. Ah. Dommage. +5. Wow. Ouf. Donc lui, on peut le blesser, on pourra le booster. Si me la dégage, c'est mort, je pense. Enfin bon. Moi qui est là, ouais. Aïe. Non, très bien. Ça va faire du bien. Donc nous l'idée c'est surtout pas le booster, c'est faire des points. Donc tourbillon ça va le booster. Donc lui on va le booster. Maintenant qu'il est blessé on va lui redonner +3. Ça on va pas le faire. On va taper là. On va faire ça. Bon, ça c'est bien ça. Surtout pas ça, sinon ça le tue. Voilà. Ça c'est de la. Ça c'était le combo du jeu. Hein. Presque. Un dé. Voilà, victoire du jour. Et des golds. Bon bah voilà le petit deck qui a été construit ce matin. À l'arrache, on va aller le regarder. Hein. On est comme ça nous. J'ai aucune prétention hein, sur la fabrication des decks. Au pif, bon c'est deux games sur une partie non classée de victoire. C'est pas des stats qui peuvent... nous dire ouais c'est du super deck. Donc en gros on a quoi, on a
0, on a 2 cartes 0, 2 cartes 1, on a 12 cartes de 2 cristaux, et c'est essentiellement des sorts. Et après, s'il y a quand même, il y a quand même l'arme, hein, qui fait quand même le taf au début, deux tourbillons, donc deux rages intérieurs. Ça c'est intéressant, c'est pour booster notre Berserker Kurobachi, on en a quand même deux dans le deck, donc on compte dessus pour faire des dégâts. Idéalement, il faudrait qu'il lui file la rage, c'est peut-être ça qu'il faudrait rajouter. Ça fait beaucoup de cartes pour le combo. Donc on a une petite légendaire ici, c'est le Capitaine Vertepeau, qui est une bonne carte qui donne un 1 à l'arme. Et lui, Illidan Hurlorage, qui invoque une flamme de 1 à chaque fois qu'on joue une carte. Donc le moindre sort, etc., c'est pas mal. Donc la première, je l'ai gagnée avec grâce à lui, hein, quasiment. Il y a quand même deux taunts là, ça m'a sauvé, hein, les deux taunts. Si lui sort pas, il va me taper dedans. Enfin, j'avais 10, mais non, il pouvait pas me descendre. Sans carte. Un Leroy quand même. Donc voilà, bon, on n'a pas évidemment tout utilisé. Maîtrise du blocage qui m'a bien aidé. Sinon, j'ai commencé par ça au début. Donc 5 points de vie en plus, hein, 5 points d'armure. Ce chef cruel qui a pas servi, mais qui donne des dégâts. Donc qui peut nourrir l'attaque ici. Donc voilà, peut-être qu'il faudrait avoir de la charge pour pouvoir réagir plus vite et faire des dégâts rapidement, pas attendre un tour. Ou un camouflage ou une banane. Camouflage, une carte. Bouclier divin, c'est le paladin. Donc non, charge. Effectivement, c'est le guerrier, il y a un truc qui donne la charge. Mais bon. Confère plus d'attaque et charge. Après, faut que ça sorte, quoi. Donc à la place de quoi, à la place d'une carte de contrôle, hein, tourbillon aussi, hein, ça nourrit parce que ça fait un point de dégâts à toutes les créatures, donc ça nourrit tous les serviteurs dont l'attaque augmente en cas de blessure, pour dire en français. Donc voilà. Bon, hein, on n'a pas réinventé l'eau froide, hein, mais ni l'eau tiède. Écoute, ça fait les deux. Ça fait la mission du jour. Il fallait faire deux victoires avec un guerrier ou un voleur. On a pris le guerrier. On a nos golds. On va peut-être se faire une arène tout à l'heure, qu'on va enregistrer. Parce qu'en arène, j'ai fait deux arènes. Ça a été une victoire une fois et trois défaites consécutives. Hein. Une catastrophe. Hein. Alors maintenant que je connais peut-être mieux le jeu. L'arène, pour ceux qui connaissent pas, bah c'est... Bon, on verra ça tout à l'heure. On verra ça plus tard. Allez, à bientôt. Salut.